bienvenue dans la FAQ. Donc, je remercie les personnes qui m'ont répondu sur la story Insta que j'avais lancée pour... je vais faire ça de temps en temps parce qu'il y a plein de gens qui me posent des petites questions. Très souvent, on me pose des questions en off sur MP, etc. Et le souci, c'est que en MP, c'est génial. Mais comme on pose quelquefois des personnes qui me posent des questions en MP sur Insta, en message privé sur Messenger ou sur SoundCloud ou sur YouTube, je me retrouve avec plusieurs fois les mêmes questions et ça m'embête. J'aime pas faire des copier-coller pour répondre aux gens, j'aime bien que ça soit personnalisé. Donc je me suis dit que le mieux, ça serait les FAQ. Donc à chaque fois qu'on me pose une question, je dis je note et je vous répondrai dans une FAQ. Alors, j'ai lancé la FAQ, il y a donc 5 personnes qui m'ont répondu. Qui m'ont posé des questions, donc je les ai mis là parce que vous savez les vieux ça voit plus très bien, donc je les ai recopiés le lendemain ou les 48 heures après puisque ils sont arrivés sur 48 heures, donc je les ai recopiés et depuis donc mi-octobre je les ai pas touchés, donc je vais les redécouvrir avec vous. Je me suis fait une espèce de... Alors, c'est un café avec de la crème en faisant le... Vous savez, le truc, j'en ai mis de partout. C'était en mode... Ça fait la gourde, elle fait n'importe quoi. Voilà, c'est un de mes tasses que j'utilise pratiquement jusqu'à début décembre. J'en ai deux autres. L'autre, c'est aussi de... Ça, c'est Carrefour Moon Blonde. Oui, je fais très misinette avec ça. Mais comme je la suis depuis ses débuts... comme artiste sur quand elle a commencé à créer sur YouTube, montrer des vidéos, etc. Donc voilà, moi je suis j'aime bien soutenir les artistes, que notamment les peintres, les dessinateurs, les gens dont j'apprécie ce qu'ils font. Je suis incapable de faire ça, donc voilà, j'aime bien soutenir les gens, les artistes notamment, principalement les artistes. Et j'en ai un autre qui en émail qui s'appelle Pumpkin Spice, je les alterne, voilà. Et en décembre, vous verrez mes tasses de décembre, il y en a un, c'est un renne, l'autre, c'est aussi une tasse de carreau. Et j'en ai une autre, vous le connaissez, c'est ma jarre Emma, transparente, voilà. Donc je crois que c'est trop chaud. Alors, si vous entendez un bruit bizarre de craquement, c'est Hux qui est monté sur un truc qui un jour va me faire écrouler la table à force de monter parce qu'avec ce petit poids. Alors, mon poids plus le sien, je vous raconte même pas. Bon, bref. On va commencer donc la FAQ parce que sinon, je pense... Enfin, c'était la FAQ, prenez un café parce que ça va durer 3 heures vu le nombre de questions. Il y en a qui se sont lâchés. Je ne vais pas... Si, je vais balancer ceux qui se sont lâchés. Alors, donc... Première salve de questions qui me sont arrivées, je l'ai fait dans l'ordre d'arrivée, hein, je préviens. La première qui a posé des questions, c'est Malo, donc de la chaîne Instagram Malo Books, qui m'a dit... Alors, première question que j'ai vue, hein, après, je ne sais pas si c'est celle-là qu'elle a envoyée en premier, mais moi, c'est celle qui s'affiche en premier, Malo, hein, je suis désolée. La première question, elle m'a dit, si tu devais me conseiller qu'un seul livre, ce serait lequel? Voilà, ça c'est fait. Prochain Hux m'a massacré ce matin. Bref, qu'est-ce que je pourrais conseiller? Alors, à conseiller à Malo. Bon, Malo, elle lit de tout. Un livre que je pourrais conseiller. Un livre que je pourrais offrir à quelqu'un qui donc m'a beaucoup plu et que j'aimerais qu'on découvre. Oh, oui! Ah oui, La tache verte de Anne Labbé. Alors c'est un livre, oh, ce livre je l'adore. Vous pouvez aller sur mon blog, là, Unitemlise le blog d'Unitemlise Girl. J'avais interviewé la romancière et j'avais fait une chronique sur ce livre-là. Je l'ai lu à l'été 2018, si je ne m'abuse. Je l'ai lu, je l'ai dévoré. C'est une belle paroisse, très grand format. Donc ça s'appelle La tache verte de Anne Labbé. Anne Labbé, c'est en fait quelqu'un que j'avais découvert parce que je cherchais les contes et légendes du Berry, puisque une partie de mes ancêtres a été dans le Berry.
On se demande bien ce qu'ils ont à les foutre là. Mais enfin bon, c'est très beau le Berry, hein, mais je veux dire, il y en a une, on se demande comment elle a atterri là, venant de Hongrie. Poser encore des questions. Pas hier, hein, il y a quelques siècles. Et enfin, il y a un siècle, oui. Ah, un siècle et demi. Et donc, je cherchais Conte et légendes du Berry, et donc je trouve un ouvrage qui est édité dans une maison d'édition locale qui parlait de ça. Et donc, la personne s'appelait Anne Labbé. Donc, bon, je lis, etc. Et je contacte la maison d'édition pour dire est-ce qu'elle a fait d'autres romans sur, enfin, d'autres livres, pardon, sur les contes du Berry. Et elle m'a dit, ah non, mais elle sort un roman. Je dis, ah, elle a sorti un roman. Ah bon, machin, enfin, évidemment, voilà, je connais pas toutes les maisons d'édition de France et Navarre, hein, surtout locales. Et donc, il me donne le titre, le monsieur très gentil. Donc, j'ai appelé un libraire sur le coin et le libraire me l'a trouvé. Et donc, je me suis retrouvée face à ce livre-là. Alors, c'est une fable d'anticipation qui parle de beaucoup de sujets, de l'écologie, d'humanisme. C'est quelqu'un de très humain, de très humaniste, Anne Labbé. Elle a fait d'ailleurs un périple en roulotte jusqu'aux Carpates avec son compagnon. Elle a détaillé ça dans un ouvrage. Elle me l'a envoyé, j'ai adoré. Je l'avais interviewée, c'est une femme fantastique. Et en fait, on se retrouve. On est dans le futur, la terre est ravagée, on vit dans des espèces de villes pyramides où tout est aseptisé, on mange, c'est limite si on ne mange pas que des bonbons, enfin des pilules, tout est aseptisé. Mais il y a des biologistes qui ont conservé dans une partie des tours de cette ville-là, pyramide, des endroits bah, avec des animaux, des plantes, etc. Mais tout est aseptisé, hein, tout va bien. Mais il y a un poumon, enfin il y a une tache verte, un poumon vert qui est dehors, au milieu de tout ce désert, très loin de la ville. Ils ont toujours envoyé des botanistes et aucun botaniste n'est revenu. Donc on suppose qu'il y a des bêtes féroces qui pourraient les tuer. Et donc ils vont envoyer Célio, et Célio va arriver auprès de cette tache verte, il va rentrer et là il va découvrir que contrairement à ce qu'on leur avait dit, il y avait encore de la vie sur Terre, il y avait encore des humains qui vivaient et eux, ces gens-là, sont revenus à la nature, ont créé une nouvelle société, une nouvelle communauté, une nouvelle façon de vivre, mais avec des technologies qui étaient précédemment employés avant que l'industrialisation et les technologies modernes arrivent. Voilà, ils ont refait une vie plus simple, mais très pratique, avec plein de choses, et en lié bien entendu à la nature, aux plantes, à l'enseignement, à vivre en harmonie avec la nature. Et donc on va suivre sa découverte à lui de cette communauté qui va heurter ses principes parce qu'il a toujours vécu dans ces villes aseptisées où on lui a dit c'était ouh dangereux, etc. C'est vraiment un très très beau livre. Il y a plein de thèmes, il y a plein de thématiques qui sont chères à Anne Labbé. Anne Labbé, c'est L-A-2-B et accent aigu. Franchement, si vous le trouvez d'occasion quelque part, allez le lire. Et je suis sûre que si Malo le lisait, elle aimerait beaucoup. Voilà. Ouais, je pourrais conseiller ce livre-là. J'en ai plein à conseiller, mais celui-là, c'est voilà, de ces dernières années, vous voyez, j'ai encore les sentiments. J'ai adoré ce livre-là. Deuxième question, bon, ça va être facile. Oh, c'est des où et où? Oh, c'est facile, ça va aller vite. Marseille ou Dordogne? Dordogne. Bon, ben voilà, comme ça, c'est fait. Quelle question. Marseille ou Dordogne? Là, il n'y a pas du tout Marseille ou la Dordogne. Dordogne, je veux dire. Marseille ou autre chose, c'est autre chose. Hein. Ça va se faire, ça. je suis sûre. Écosse ou Irlande? Comment je vais faire ça? Comment je fais? Je me fâche avec la moitié de mes potes? Super. Très beau l'Écosse, magnifique. Écosse. Irlande. De Mimi Irlande. Mon petit cœur est irlandais, hein, et ça va de Belfast à Derry, de Derry au Ring de Kerry, Ring de Kerry, ça va, Dingle, et mon cœur est à Dingle très souvent et à Belfast, enfà, précisément Hillsborough. Cork est magnifique, non, l'Irlande, c'est. Je sais que l'Écosse fait rêver beaucoup de monde, etc. Mais l'Irlande, c'est. Non, l'Irlande.
Zola ou Balzac? Steve, comment je vais faire pour faire ça? Mais c'est quoi ces questions? Bah non, je vais mourir. Zola ou Balzac? Alors, si on s'en tient, on va réfléchir calmement. Lisa, pose-toi, avale un coup. Si on s'en tient qu'à l'homme, je serais tentée de dire Zola, parce que le journaliste littéraire, le journaliste politique qu'il a été, l'homme, tout simplement, est celui qui m'intéresse et qui m'a toujours plu le plus, que ce soit ses causes qu'il ait défendues, les chroniques qu'il a pu faire littéraires, etc. Balzac, perso, sa vie, j'en ai rien à taper. Mais si on en vient aux écrivains, je suppose que c'est la question de Malo, si on comptabilise le nombre d'œuvres lues d'un côté comme de l'autre, Balzac, il nettoie Zola, ça c'est sûr. Voilà, parce que Zola, j'ai lu donc, attendez. Réfléchissez, j'en ai lu que 4, ça va aller vite. J'ai lu donc La Faute de l'abbé Mouret, l'œuvre, La Bête, dans l'ordre, hein, La Bête humaine et Germinal. Donc 4. Hein. Non, criez pas les fans de Zola, c'est pas la peine. Vous savez qu'Émile et moi, on a un problème de compréhension côté écrit. Enfin, j'aime. La preuve, je les ai lus, hein, donc j'ai pas à pleurer, j'ai pas abandonné, j'ai même trouvé. Germinal, ça m'a gonflé. Mais, enfin, non, ça m'a pas gonflé. Ça m'a plu dans le contexte historique, le contexte social, machin, mais c'est pas mon préféré. Mais j'ai adoré l'œuvre, j'ai adoré La Faute de l'abbé Mouret et j'ai adoré La Bête humaine. Voilà, donc, mais voilà, mais le reste, enfin, moi, l'Assommoir, ça m'a assommé, littéralement. Nana m'a gonflé. Voilà, non, mais à un moment donné, j'ai abandonné des trucs. Il fallait vous prendre des décisions. Vous pouvez pas rester 6 mois sur un livre en vous disant, ah, je vais le lire jusqu'à la fin et tout. Non, je ne me force pas. Balzac, j'ai lu. Eugénie Grandet, Les Chouans, Le Père Goriot. Illusion perdue, Pierrette, oui. Qu'est-ce que j'ai eu? La peau de chagrin. On en est où là? Eugénie Grandet, Les Chouans, Le Père Goriot, Illusion perdue, Pierrette, La peau de chagrin. Le Lys dans la vallée. Oui, Le Lys dans la vallée. Ça fait 7 hein, quand même. 7, j'en ai eu d'autres. Gobseck. J'en ai eu une autre. J'en ai lu deux. Le colonel Chabert. Oui, maman. Oui, Jean-Minou, il miaule. Et Sarrazine. Je me rappelle comment ça va. Je crois que c'est Sarrazine. Oui, Sarrazine. Ça en fait 10. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est 10. Donc, par KO. Hein? Balzac par KO sur Zola. 10 à 4. Football. En tant que fan de foot, moi je m'en tiens aux chiffres. 10-4, c'est Balzac qui gagne. Voilà. Après, je pourrais honnêtement. Ouais, ben voilà, c'est Balzac. Alors que je suis sûre que si je mettais à Zola, je préférerais Zola à Balzac. Mais voilà, j'aime l'homme et le Balzac. Après, parmi tous ceux que je vous citais de Balzac, il y en a certains qui m'ont littéralement bien gonflé. Mais je les ai lus. Voilà, ça peut répondre à la question de Malo, je suis pas sûre. Enfin bon, vous savez à peu près ce que j'ai vu. Et dernière question de Malo, le voyage de tes rêves. Alors on va dire 4 voyages, dont 3 qui sont fortement compromis. Ah ben là oui, là, c'est compromis, compromis. On va faire celui qui n'est pas compromis, hein? Non, alors en fait, depuis que je suis petite, je suis honnête, hein, depuis que je suis petite, il y a 4 endroits que je veux aller voir absolument. Un. Je sais pas si vous le savez, mais je suis une maboule des explorateurs, des aventuriers, machin. J'ai été élevée par. Enfin, une de mes grand-mères adorait Paul-Émile Victor. Mais vraiment, quand je dis adorée, je pense qu'elle l'aurait épousé sans aucun problème. Elle aurait viré toute la famille pour Paul-Émile Victor. C'est l'amour de sa vie. Elle me lisait. Petite, elle me lisait Boréal. Non, pour vous dire jusqu'où je suis allée, Rasmussen, tous ces gens-là, j'ai vécu avec ça. On me racontait les pôles, et
Et un jour, j'ai découvert les... Oui, je sais, vous allez vous moquer. J'ai découvert les moncherons empereurs. En Antarctique. Voilà. Ça s'est fait. Et donc, je me suis dit, il faut un jour que j'aille en Antarctique pour aller voir les bestioles. Pour faire guili guili aux bestioles. Ah oui, non, mais je suis à ce point taré. Voilà. Et puis, j'aime le froid. J'aime pas forcément le très grand froid, mais j'aime le froid. Puis il n'y a personne là-bas, et puis je vais pas me faire chier, il n'y a personne, juste tranquillo. En plus, il y a des. Non, mais les paysages, les bleus glaciers là. Ah non, mais pour faire des photos, moi qui adore faire la photo, mais vous n'imaginez, vous me balancez là-bas, mais je reviens plus. Moi et les pingouins, on reste dans les igloos, on bouge plus, hein, c'est fini. Hein, voilà, non, non, mais oui. Alors, donc, le premier, c'est Antarctique. Ou Arctique, hein. Alors, je préférais l'Antarctique. Mais l'Arctique, l'avantage, c'est qu'il y a les aurores boréales. Voilà, après, je peux aller chez mes potes qui vivent dans les pays nordiques et je pense que je verrai des aurores boréales, sachant que mes potes de Liverpool m'ont bien énervé l'année dernière parce qu'il y a eu des aurores boréales à Liverpool, hein, alors que Dieu sait qu'à chaque fois que j'y suis allée, je ne les ai jamais vues, hein, donc ça m'énerve. Hein. Bon, bref, mais il y en avait une sublime, ils ont fait une photo, moi j'ai pleuré comme une dinde quand j'ai vu ça, je me dis, ah, mais tu te rends compte, tu aurais pu être à Liverpool, j'aurais eu ça, bon, bref. Donc ça c'est mon premier. Et après les trois autres c'est vraiment parce que j'ai une appétence pour les lieux, les pays. Un, depuis que je suis petite, je l'ai déjà dit, je suis fan d'Alexandre le Grand. Et mon rêve est d'aller voir, visiter la Perse. La Perse étant l'Iran. Grosso modo. Voilà, ça c'est non, pas bon ça, non, parce que alors moi, ça c'est sûr qu'avec mon caractère de merde, je fais pas trois pas, hein, surtout en ce moment. Oh là 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 là, non, mais à terme, j'adorerais. Mais quand je dis visiter, c'est pas visiter au Club Med ou en hôtel. Moi, pour moi, visiter, c'est rester 2 3 semaines, voire un mois là, à l'Iran, un mois et demi, et faire tout l'Iran. Voilà, mais. Quand je parle de voyage de mes rêves, c'est des choses qui se préparent. C'est-à-dire que moi, j'aimerais parler perse. Enfin, le farsi, en tous les cas. Pour pouvoir discuter avec les gens. Voilà. Si je vais dans un pays qui ne parle pas forcément anglais ou qui ne maîtrise pas que tout le monde maîtrise anglais dans les coins reculés, il faut savoir se faire comprendre partout. Voilà. Donc, avoir des bases pour pouvoir ne serait-ce que dire bonjour, merci, au revoir, c'est gentil, est-ce que je peux avoir de l'eau? Voilà. Mais donc la Perse, enfin l'Iran, quoi. Donc, mais un peu un compromis, très compromis. Pas bon, pas bon du tout. Le troisième, ça serait le Transsibérien. Donc Moscou, Vladivostok. Bon, atterrir en mer du Japon à Vladivostok, c'est ma came. Voilà. Mais pareil. Faire ce qui se fait en quelques jours, aller et au retour, avec ou sans escale. Il y en a un qui fait sans escale, l'autre avec escale. Non, non, moi c'est 3 semaines aller, 2 semaines de retour. Je veux dire, m'arrêter dans chaque ville, étape, rester 2, 3, 4, 5 jours dans une ville étape pour visiter, pour parler aux gens, pour découvrir la bouffe, la culture, les trucs. C'est ma came, voilà, le Transsibérien. La Russie moyen, hein? On est bien d'accord, voilà, ça c'est fait. Non, mais si je vous dis, quand je vous dis qu'il y en a trois qui sont compromis, ah, voilà, deuxième compromis. Troisième que j'ai toujours rêvé de faire, c'est faire le voyage Petra-Jérusalem. Le reste, non, mais Petra et Jérusalem, voilà, donc là, hein, moyen aussi, très très moyen, pas bon, très compromis. Très 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 compromis. Premièrement parce que je ne sais pas pourquoi j'ai Petra. Alors Petra déjà c'est parce que je l'ai vue sur National Geographic quand j'étais petite et je suis tombée folle amoureuse de ce truc. Deux parce que si vous êtes fan d'Indiana Jones, vous rêvez de faire pareil qu'Indy. Ah non mais je vous jure que des fois c'est compliqué là-haut. Pourquoi Jérusalem? Alors pas du tout pour le côté religieux. Quand on est la bête, c'est pas du tout ça. Non, c'est pour le côté berceau, berceau de la civilisation. On est bien d'accord de cette partie, en tous les cas. Voilà. Et puis vous connaissez ma passion pour la Seconde Guerre mondiale et Yad Vashem est forcément un endroit que je veux aller voir. Voilà. Donc c'est automatique qu'un jour j'irai.
parce que ça, je pense que ça sera le plus accessible un jour de faire. Mais pas dans l'immédiat, voilà. Par contre, ce que j'aimerais faire, mais ça, je pourrais demander à quelqu'un que je connais, qui a déjà fait les deux, enfin le voyage des deux endroits ou même pendant 15 jours. Mais j'aimerais refaire l'itinéraire que j'ai fait faire à mon personnage, Béatrice en Embrera. Donc qui part de Jérusalem, qui va vers le nord et qui revient. Et ça, j'aimerais le faire. Je sais que c'est faisable en car, etc. Il y a des endroits où très facile. En plus, c'était, je l'avais tout noté parce que voilà, j'avais demandé à des gens qui avaient déjà fait pas mal de voyages en Israël. Et donc j'avais demandé les endroits. Et donc forcément, je sais où on peut s'arrêter, quels sont les cars qui y vont, etc. Mais voilà, c'est les quatre voyages de mes rêves. J'ai pas qu'un seul voyage, j'en ai quatre. Mais on va dire que sur les quatre, il y en a deux qui seront possibles. Enfin, quoique l'Antarctique, à mon avis, je peux m'asseoir dessus. Mais je pense que le plus probable, ça sera Petra et Jérusalem. Voilà. Mais voilà, par contre, j'ai aucune envie d'aller me trimballer partout ailleurs. C'est les deux points. Et l'itinéraire de Béatrice, mais c'est les deux points que j'ai envie de voir. Voilà, moi aller au bord de la plage, je m'en tamponne le coquillard. Mais c'est vraiment pour visiter et puis je vous dis pour m'extasier avec mon appareil photo en me disant, ah, voilà, ça c'est fait. Donc ça c'était les questions de Malo. Donc voilà, voyage de mes rêves. Dites-moi dans les commentaires au voyage de rêve là. S'il y a quelqu'un qui veut partir avec moi, quand ça sera possible. Voilà. Deuxième personne qui m'a posé une question, c'est Cufette. Alors, Cufette m'a posé une question, elle m'a fait rire, parce qu'elle a dit, tu as déjà répondu à pas mal de questions, peut-être une autre, fais-tu des collections? Oui. Je suis l'archétype d'une IA poussière. On ne parle pas de livres, hein, je me doute. J'ai une tendance de collectionneuse. Et quand je dis collectionneuse, c'est vraiment quelqu'un qui veut acquérir tout ce qui se fait sur l'objet de sa collection. C'est pas d'avoir 500 millions de livres, etc. C'est par exemple, voilà, on parlait tout à l'heure de Zola et Balzac, vous êtes fan de Zola, vous voulez avoir tous les manuscrits de Zola, vous voulez avoir tous ces articles dans la presse, mais quand on parle de ça, c'est des premières éditions, des journaux originaux, voilà, pas des trucs numériques, machin, non, non, des trucs, des originaux, des premières éditions, des choses rares. C'est ça un collectionneur. C'est des choses rares, des choses que l'on ne trouve pas ailleurs, des choses que les gens n'ont pas. Voilà, une collection, je sais pas, les collections de billes, de gomme, quand on était petit, c'était d'avoir la gomme que personne n'avait, que personne ne pouvait trouver, ou en tous les cas qui était peut-être trop chère pour tout le monde. Voilà, c'est ça l'esprit de collection. Oui, j'ai un esprit de collection pour deux choses. Un, j'en ai parlé dans le podcast slash vidéo sur la relation histoire, je collectionne sur le Maréchal Rommel. Donc je ne reviendrai pas sur quelle est ma collection. J'ai une collection avec, je sais ce que j'ai, ce que j'aimerais avoir, il y a des choses que j'aimerais avoir mais que je ne peux pas avoir en France parce qu'ils ne sont pas disponibles à la vente sur le territoire français. Même si je l'achète à l'étranger, je n'ai pas le droit de les posséder quand on est en France, qui est très con, mais voilà, je peux comprendre je sais pourquoi, donc je ne m'offusque pas. Mais bon, voilà, mais je possède quand même pas mal de choses. Objets comme livres, comme papier, comme machin, hein, on est bien d'accord. Et la deuxième collection, qui est quand même celle qui prend le plus de place dans mon armoire, enfin dans une armoire de collection, l'armoire de la collection, des collections, qui prend 3 étages sur 5, hein, on est bien d'accord, donc les deux autres sont sur Rommel. C'est une collection sur 2 mannequins américains sur lesquels je collectionne depuis 1989-90, que je connais. Je dois avoir, alors pour une, donc c'est Nikki et Chrissy Taylor. Pour Nikki, je dois avoir à peu près, je pense, 96-97% de toutes les parutions papier
qu'elle a fait depuis 1989, 88, 89, parce qu'elle a commencé à faire des petits trucs, etc. Mais plus pratiquement, elle a commencé en 89 vraiment à faire des couvertures de magazines. Mais avant, elle faisait juste des petites choses de publicité locale en Floride, machin, et dans d'autres magazines. Donc je dois avoir 80, je pense 97% de tout ce qu'elle a eu dans le monde, hein, je parle dans le monde, hein, j'ai des couvertures Malaisie, j'ai des couvertures chinoises, même quand on ne pouvait pas trouver des trucs chinois, voilà, parce que on avait tout un réseau, j'avais tout un réseau de collectionneuses, alors soit de groupes de rock, soit de mannequins, parce que dans les années 80, je rappelle, là, je suis vieille, je collectionnais sur Renée Simonsen, qui est un mannequin danois. Ma première collection, c'était elle, c'était 1982. Et donc j'ai collectionné sur elle jusqu'à aux années 2000 à peu près. Donc après, je chevauchais les deux collections des trois mannequins. Mais bon, un jour, j'ai quelqu'un que je connaissais qui était une collectionneuse Renée qui trouvait pas, enfin qui voulait racheter des trucs et qui s'est. Qui trouvait que c'était très très cher et c'était devenu horriblement cher d'acheter deux articles de couverture, etc. Moi, ça me prenait une place folle. Renée s'était arrêtée de travailler comme mannequin. Voilà, j'en ai gardé quelques-unes de couverture, mes préférées. J'ai dû garder deux gros classeurs voilà, d'elle. Et tout le reste, j'ai donné les collections. Voilà, j'ai tout donné ma collection. Et Chrissy, je pense que j'ai 99 voire 100% de tout ce qu'elle a fait. Bon, elle a eu une carrière très courte, malheureusement, parce qu'elle est morte en 95, mais sur les 5 ans qu'elle a travaillé un peu au début, avec parcimonie, puis très très fort pendant 3 ans à peu près, je pense que j'ai 100% de ce qu'elle a. On va dire 99 parce qu'il me manque peut-être une petite photo dans un coin d'un magazine. Mais on va dire que j'ai 99% de leur collection. Donc oui, je suis une collectionneuse. J'ai des listings, je sais ce que j'ai. J'ai classé dans des classeurs sous des chemises plastiques transparentes. Tout est bien aligné, tout est bien classé, tout est bien répertorié. Voilà, vous me demandez telle couverture, je sais où aller la chercher. Voilà. Et puis bon, voilà. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui collectionnent maintenant informatiquement. Qui ont des milliers de fichiers informatiques, des images, etc. Ça ne m'intéresse pas. Alors, quand j'arrive à trouver en papier des catalogues comme Anne Klein, etc., je les récupère. Maintenant, beaucoup, malheureusement, font que électronique. Et donc, ça m'intéresse moins. Alors, je les ai. Je les stocke sur un disque dur. Voilà, mais je les ai répertoriés. Mais ça m'intéresse pas, ça. Voilà, j'aimais bien l'aspect papier. Après, je sais ce que Niki fait toujours, hein, donc il n'y a pas de problème. Je la suis toujours, donc voilà. Et puis, je suis très bien informée. Voilà. Oui, oh, ça va. Hein. Donc, ça, c'était les collections. Sinon, je collectionnais rien d'autre. Voilà. À part les conneries et les lapsus. Mais ça, c'est pas tangible. Alors, après, on attaque. Attention, attention, attention. Les questions de celle qui s'est lâchée à Bubu, alias. Non, Bérénice, alias Bubu, qui m'a fait une liste des courses. Voilà. Alors, il y en a certains qui sont faciles. Enfin, qui vont être rapides et d'autres qui vont être rapides aussi, mais où je vais sûrement dire que des conneries. Alors, je les lis parce que je vous dis, je les ai listés, donc je les lis tels qu'ils sont arrivés. 1. As-tu déjà été confronté à la page blanche pendant l'écriture d'un de tes romans? Non. Ben voilà, comme ça, je ne vais pas développer. Non. Aucun. Jamais. J'ai jamais eu de page blanche, même à l'école, pour les rédactions, pour les dissertations, pour. Je sais pas ce que c'est une page blanche. Je touche du bois. J'ai une table en bois, donc je touche du bois. Voilà. Non, je sais pas ce que c'est. Jamais. Donc, j'espère que je n'aurai jamais de page blanche, mais non, jamais. 2. Comment, pourquoi, alors comment et pourquoi, as-tu décidé d'ouvrir une chaîne YouTube? Alors, je suis sur Internet depuis, avec le blog depuis longtemps, puisque je l'ai ouvert en 2011-2012. Précédemment, je travaillais sur commande pour des articles sur des sites communautaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les plus vieilles d'entre vous se rappelleront peut-être So Busy Girl, qui était un site communautaire qui faisait des articles sur tout. Ça allait du lifestyle beauté aux livres, aux films, aux DVD, aux musiques, tout ce que vous voulez. Qui après s'est fait racheter par Hello Coton.
Donc j'ai longtemps travaillé en fournissant des articles. Précédemment aussi, je travaillais beaucoup pour des fanzines, ce qu'on appelait. Notamment un fanzine musical, j'ai fait partie de la rédaction d'un fanzine musical qui existe toujours, hein, qui s'appelle Lord of Rocks. D'ailleurs, si vous allez sur leur site, c'est un site suisse, vous tapez Lisa Gerotteler, vous allez trouver mes anciennes chroniques, hein, de livres, de musique. Hein, voilà, j'étais spécialisée dans pop, rock, électro. Même si, quelquefois, ces petits rigolos m'ont fait chroniquer du rap et de la hip-hop, hein, ça les a beaucoup amusés. Mais bon, voilà, je couvrais pas mal de choses. Donc, ça fait très longtemps que je suis sur Internet. Mais il s'est trouvé une période où, pour faire court, j'ai dû récupérer ma maman chez moi à plein temps, 24 heures sur 24, 365 jours sur 7. 365 jours sur 365 jours. Vous avez compris, il y a 7 jours sur 7, machin. Et en fait, je me suis aperçue, autant j'arrivais à lire, autant j'arrivais à écrire, autant je trouvais que je n'avais plus de possibilité de créer des choses. Voilà, parce que s'occuper de quelqu'un de malade, comme tous les aidants, ça vous bouffe le temps. Vous courez après le temps, vous courez après les cachets, les médicaments, les rendez-vous chez le médecin, chez les spécialistes. En plus, elle avait des pathologies qui étaient un peu compliquées à gérer, donc il fallait gérer les courses, le ménage, la bouffe, enfin, tout ce que vous avez, la vie d'une femme, quoi. La lessive, le machin. Il y a des moments où elle pouvait m'aider, des moments où elle ne pouvait absolument pas, dû à ses problèmes, m'aider. Et à un moment donné, je me suis retrouvée en me disant, il faut que tu t'aères. Voilà. Donc, ça faisait quand même quelques années que je suivais des chaînes YouTube. Pas que des booktubeuses, hein. J'avais beaucoup de live, de lifestyle, de beauté, de mode, notamment les trois piliers qui étaient Hélène de mon blog de filles, Colline, et pourquoi pas Colline à la base, mais maintenant Colline et Sonia Seller. Mais il y en avait plein d'autres. Il y avait beaucoup d'anglaises que je suivais. Il y avait deux, trois américaines que je suivais, etc. Et je me suis dit, tiens, et pourquoi tu ferais pas une chaîne? Alors au début, pas avec ma tronche, hein, mais d'ailleurs, les premières vidéos, vous verrez, il n'y a que mes mains et que les bouquins. Je tournais sur le balcon quand elle était en train de dormir. Et donc, en fait, je me suis aperçue que ces moments-là, où pendant que je tournais, pendant que je mettais la vidéo en ligne, c'était mes moments à moi. C'est-à-dire que c'était vraiment. J'avais mon moment où, parce que quand on lisait, maman lisait beaucoup. Donc on pouvait lire toutes les deux dans la même pièce, ça posait pas de problème. Quand je voulais écouter la musique, bon, on avait un truc, c'était que 1 heure elle, 1 heure moi. Voilà. 1 heure avait sa daube et 1 heure avait les miennes, parce qu'on n'avait pas les mêmes goûts. Mais j'avais pas de soupape de sécurité. Et donc en fait j'ai fait ça et un jour quelqu'un qui me suivait au début m'a dit mais pourquoi tu fais pas des vidéos puisque tu fais des conférences, puisque en salon tu te montres, donc je vois vraiment pas pourquoi tu pourrais pas montrer ta bobine. J'ai toujours un matos de merde, hein, voilà. Mais je me suis dit oh bah oui, tant qu'à faire, etc. Et puis j'ai commencé comme ça. Voilà. Donc parce que tous les dimanches après-midi, de 1h30 à 14h à 16h, elle faisait sa sieste, c'était une obligation pour elle, impérative par les médecins. Et donc, pendant ces 2 heures et demie, j'avais que pour moi du silence et je pouvais faire ce que je voulais. Donc, je tournais et donc, des fois dans les vidéos, il y a des vidéos où on me voit faire ça parce qu'en fait, elle se levait, elle faisait la petite souris, elle me regardait, puis elle voyait que j'enregistrais. Donc, elle reculait doucement pour aller lire dans le fauteuil où elle passait derrière pour aller lire. Et donc, moi, ça me perturbait parce que j'étais là en train de lui faire chut. Voilà. Mais c'est pour ça que j'ai monté la chaîne. Et en fait, après, je l'ai gardée. Quand elle est décédée, je l'ai gardée parce que ça m'amusait de le faire. Et je sais que ça m'a toujours amusée. Voilà. 3. As-tu des regrets par rapport à tes romans ou à ta chaîne YouTube? Si oui, lesquels? Comme le chante si bien Sinatra, Regrets, I have a few, but too few to mention. Voilà. J'ai aucun regret. Alors pour mes romans, aucun regret. Je sais exactement ce que je fais, ce que je veux, où je vais. Et pour la chaîne YouTube, j'ai aucun regret. Je m'amuse beaucoup. J'ai toujours dit, je m'amuse beaucoup. Le jour où je m'amuserai plus, je le ferai plus. Je n'ai aucune prétention, aucune envie de chiffres. Je ne me suis jamais posé la question en me disant, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Tiens, tu vas pouvoir commercialiser des trucs. Rien à carrer.
Je pense que si vous connaissez, si vous tombez là-dessus, vous allez vous dire, mais pourquoi, machin. Non, c'est juste pour le plaisir de partager, de redonner ce que moi on m'a donné, la chance que j'ai eue. Voilà, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai eu de la chance d'avoir accès à des bibliothèques dans la maison, des grandes bibliothèques. J'ai eu la chance d'avoir des gens cultivés dans ma famille, des gens qui m'ont appris à lire tôt, qui m'ont appris à écrire tôt, qui m'ont donné l'envie de lire, qui m'ont partagé des choses, etc. Et je sais qu'il y a beaucoup, parce que j'en ai rencontré en salon, des gens qui me disaient, mais moi je lis depuis très peu de temps parce que ben moi dans ma famille on n'avait pas les moyens d'acheter des livres. Chez nous on n'avait pas de bibliothèque, il fallait qu'on aille à la bibliothèque, c'était pas facile, etc. Ou des parents qui trouvaient que la lecture c'était pas important. Voilà. Donc c'est vraiment. Voilà, moi si je peux partager et les commentaires que vous me faites, vous les fidèles, sous la chaîne en disant oh, j'aime beaucoup, oh, merci d'avoir fait découvrir ça, etc. Même quand je fais les programmes culturels avec les films, les séries, les machins, moi je suis ravie, voilà. Mais c'est uniquement parce que ça me plaît, voilà. Et par rapport à mes romans, aucun, mais alors aucun regret, mais vraiment. Je vous dis, dans My Way, il dit. Regret, I have a few, but too few to mention. Voilà. Mais c'est dans ma vie, généralement, c'est comme ça. J'ai des regrets, comme tout le monde, mais trop peu pour que je puisse les dire. Et encore, ils sont insignifiants ou ils sont qu'à moi, mais je n'ai surtout pas, par contre, de remords. J'ai rien. 4. As-tu déjà reçu des commentaires ou des messages qui t'ont blessé? En général, pas que sur YouTube, je suppose. Ou Instagram. Blessé, non. Rien à carrer. Mais qui m'ont irritée, qui m'ont énervée comme un putois, comme une puce, j'étais énervée comme une puce. Oh ah oui, qui m'ont énervée, que si j'avais eu la personne en face, je crois que je la collais contre le meuble. Oui, ah oui, ah oui. Non, oui, j'ai reçu des messages, des commentaires, des messages qui m'ont irritée, qui m'ont énervée, surtout venant de personnes qui se permettent de juger des choses qu'ils ne connaissent pas, donc qui devraient fermer leur gueule déjà, ou qui se permettent de vous donner des conseils. Alors au début, c'était le poids. Voilà, alors au début c'était ah tu devrais peut-être mais je t'emmerde, je fais ce que je veux, si j'ai envie de ressembler à Gloria dans Madagascar, je fais ce que je veux. Voilà. Et puis et ne me posez pas la question si elle est Melman, je répondrai pas. Il y a que meilleur ami qui pourrait me poser la question et à qui je répondrai et qui le saurait en premier. Voilà, mais il y a eu des Melman. Mais non, ben là techniquement le seul Melman c'est Hux parce que de toute façon oh là là, je plains le garçon qui rentre à la case hein, parce qu'il y en a mais quand il rentre il parle tout le temps lui. Il est Jean-Loux. Mais oui, il y a eu des Melman avant dans ma vie, je rappelle. Mais voilà, mais je m'en fous royalement. Enfin, je veux dire, ça m'a pas blessé. Je répondais aux gens, mais c'est gentil. Merci de votre conseil. Mais ça ne regarde que moi. Voilà. Mais c'est pour ton bien. Voilà, mais je t'emmerde. Alors, généralement, je réponds beaucoup plus diplomatiquement, sauf si la personne insiste. Voilà, au début, quand je répondais, mais c'est gentil, merci, mais ça ne concerne que moi, la personne est, on va dire 90% des cas, les gens vous disent, ah, ben d'accord, ok, merci, au revoir. Voilà, et il y a 10% qui sont des gros cons et qui continuent à insister, mais je dis ça pour ton bien, tu as une jolie tête, c'est dommage, mais je t'emmerde. Et après ça, c'est après généralement je réponds, je t'emmerde, voilà. Comme ça c'est fait. Donc oui, mais qui m'ont blessé, non, je perso. Alors pour me blesser, il faudrait vraiment m'attaquer personnellement, dans le sens. Alors, je crois qu'il faudrait m'attaquer sur des gens que j'aime. Si vous vous attaquez à moi, j'ai du répondant et j'ai suffisamment d'humour et de recul sur moi-même pour ne pas être blessé. Voilà. Même s'il y a des choses qui peuvent être blessantes, entre guillemets, sur le physique, ou vous dira, bon, mais oui, bah, je suis comme je suis, hein, comme disait Miss Tinguette, je suis comme Dieu m'a fait, hein, on fait ce qu'on peut, hein, déjà, hein, voilà, on a ce qu'on peut à la loterie, hein, pas gagné à l'euro million à l'époque, voilà. Mais par contre, oui, attaquer des gens que j'aime, oui, par contre, là, oui, là, je pourrais être très méchante, d'ailleurs, ne vous attaquez pas aux gens que j'aime, ça, c'est, je suis une machine de guerre, hein. C'est pas chier, voilà, mais sinon, non, blessé, non, les seules personnes qui peuvent me blesser, c'est mes proches, et encore, il n'y en a plus beaucoup, donc, voilà, et meilleur ami ne me blessera jamais, donc on est bien. 5. Penses-tu un jour refaire des salons pour présenter tes romans? Oui, il faudrait juste que je me botte le cul.
Je réponds, hein, je réponds. Voilà. Non, oui, j'ai adoré faire des salons. Mais je dois avouer que depuis 2007, je fais des salons. J'ai fait des salons jusqu'au Covid. Hein. J'en ai enchaîné 4-5 l'été. En gros, je devais en faire une vingtaine par an. Après le Covid, j'en ai plus fait bah, jusqu'en 2002. 2022, pardon. J'en ai refait deux en 2022. Cette année, j'en ai pas fait. Pour la bonne et simple raison qu'il y a beaucoup de salons qui n'acceptent pas les auto-édités. Alors, j'ai été éditée, donc du coup, je peux toujours me positionner sur l'édition, même si mon premier éditeur est décédé et donc bah, la maison d'édition n'est plus, mais le livre est toujours trouvable sur. Enfin, la monographie est toujours. On peut toujours la trouver sur des sites de seconde main. D'ailleurs, l'année prochaine, il y aura une nouvelle, mais je vous en parlerai en temps et en heure. Mais sinon, non, les autres salons, c'est très compliqué. Il y a des salons qui vous acceptent pas parce que vous êtes auto-édité, d'autres qui ont leur petit cercle de copains et copinages, et donc qui vous disent non, il n'y a plus de place. Et puis après, vous savez qu'en fait, ils ont réservé des places pour leurs copains et copines. Non. Ça m'a moins dit les salons, j'en ai fait beaucoup, peut-être que c'est pour ça aussi. Le seul salon que j'aimerais refaire, c'est celui de Paris, pas parce que c'est Paris, mais parce que ça me permet d'aller fouiner dans les maisons d'édition, d'aller voir certains de mes potes auteurs ou des maisons d'édition que j'aime beaucoup et des voilà et aller claquer la bise à un éditeur et pas pour me faire éditer, on est bien d'accord, mais juste parce que j'aime la maison d'édition et que j'aime l'attaché de presse et que j'aime la personne et que j'y vais parce que j'aime lire ce qu'il publie et j'ai jamais je pense que s'il y a un éditeur qui passe par là et qui me connaît je n'ai jamais demander quoi que ce soit à quelqu'un que je connaissais dans une maison d'édition. Je n'ai pas dit ah ben tiens, tu peux lire mon livre, machin. Non, 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 je ne suis. La plupart, ils me voyaient au salon certains salons avec écrit en gros auteur. Je pense ils se sont même demandé que je devais être un des rares à pas leur fourguer son manuscrit. Je ne me trimballe jamais avec mon manuscrit dans mon sac quand je vais dans les salons. Enfin, je veux dire, je suis pas là pour ça. Je suis là comme auteur, je suis pas là comme pour vendeur de tapis, quoi. Enfin, c'est pas ma logique. Après, vous me direz, ah, ben, tu devrais. Ah ben oui, ben, je devrais, mais c'est moi qui décide. Voilà. C'est bon le chat. Voilà. Donc oui, sûrement un jour. Il y a des salons que j'aime bien. Ah, j'aime bien faire celui de Carré-le-Rouet. On est sur le port, c'est agréable et tout. En plus, on peut les bouffer après derrière. Puis il y a un endroit où je. Ah non, voilà. Il y a des salons que j'aime pour le lieu. Voilà, il y a des salons que je referai pour les lieux. Pour le lieu, parce que j'adore. Mais sinon, ouais, on verra. Si, y a-t-il un auteur ou une autrice? C'est la dame qui a dit autrice. Très rarement, je dis autrice. Que tu ne veux absolument pas lire, pourquoi? Est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice que je ne veux absolument. Non. Non, que je ne lirai jamais, sûrement, parce qu'il y a tellement de livres qu'on peut lire qu'on passerait 15 vies, on n'aurait pas fini de lire tout ce qu'on voudrait lire. Je pense qu'un millénaire ne suffirait pas à lire tout ce qu'on voudrait lire. Mais des auteurs que je ne veux absolument pas lire, non. Non, parce que je pars du principe que si vous n'avez pas lu, vous ne pouvez pas vous permettre de dire si ça vous plaît ou non. Vous pouvez, enfin, c'est mon avis perso, gueulez pas les plus hein? Ne commencez pas à dire, oh, mais quand même, non, 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 commencez pas. C'est mon avis personnel, je rappelle, c'est ma chaîne, c'est mon avis, c'est mes propos, hein, donc ça n'engage que moi. Je pars du principe que si vous n'avez pas lu, vous ne pouvez pas dire si ça vous plaît pas et vous ne pouvez pas lui cracher dessus si ça vous plaît vraiment pas. Voilà. Y a aucun auteur que je m'interdis. Si j'en ai lu un, généralement, qui ne m'a vraiment pas plu, je lis un deuxième. Et si au deuxième, vraiment. Je vais citer un exemple, Houellebecq, j'en ai lu deux, c'est terminé pour moi, Houellebecq. Voilà. Je ne peux. C'est un.
très bon écrivain. Je pas voilà, excusez-moi, il a gagné des prix, il a beaucoup de gens qui l'adorent, il est célébré, machin. Mais je n'enquille pas, je n'arrive pas, ça marche pas, ça marche pas chez moi. Voilà, il y a des écrivains, même très anciens, qui marchent pas avec moi, mais j'en ai lu au moins un ou deux. Voilà, non, un pour un, parce qu'il y en a un, je ne peux pas l'encadrer. Mais vraiment, mais il y a des écrivains, non, non, il n'y en a aucun que je n'aimerais pas lire, non. Non, si je peux tester un exemplaire à minima, je le fais. Mais non, il n'y en a aucun que je m'interdis. Puis alors, surtout pas ceux qui font polémique, parce que connaissant mon esprit de contradiction, voilà. Surtout certains sur qui on crache actuellement, ça me fait bien plaisir souvent de les montrer parce que ça énerve les gens et j'adore ça. C'est très tactile, mais j'ai très. Oui, bah je fais ce que je veux, c'est mon le chef. 7. Si la vente de tes romans te permettait d'arrêter ton boulot actuel, je suppose, arrêterais-tu ou fait-il partie de ton équilibre? Mon boulot fait-il partie de mon équilibre? Alors, le boulot fait partie de mon équilibre. Pas celui-là. Même si j'adore ce que je fais, que je travaille dans un environnement où honnêtement, j'ai eu des jobs précédents qui étaient très stressants. Des positions où honnêtement, le niveau de stress était quand même pas piqué des hannetons, où vous rentriez quelquefois avec un poids sur les épaules en vous disant putain, est-ce que j'ai pas oublié un truc, etc. J'ai actuellement une position où je travaille avec une équipe vraiment dynamique, avec des gens qui sont investis dans ce qu'ils font, comme dans tous les groupes, des fois il y a des petites tensions, mais c'est vraiment des tensions mi-mi-mi-mi-mi-mi, avec des gens avec qui on papote, avec qui on rigole, on échange un café, on se fait une pause café automatique le matin, on raconte nos conneries. Voilà, je travaille dans une ambiance vraiment agréable, même si. Si j'ai des unités très lourdes en face de mon bureau et c'est pas tous les jours facile de voir passer certains patients, mais bon, voilà, c'est mon équilibre. Par contre, est-ce que si la vente de mes romans me permettait d'arrêter, oui, mais jamais de travailler. Et je me suis toujours promis quand j'étais plus jeune de me dire que à la retraite, je prendrais 2 jours dans la semaine pour travailler dans des associations. Alors je reprendrai mon travail à l'UNICEF, ça c'est sûr, mais dans des associations, par exemple l'Armée du Salut ou Médecins sans frontières ou le Rire Médecin pour les aider ou les Blues Roses. Mais je resterai peut-être un peu en milieu hospitalier ou carrément de servir par exemple pour un 31 décembre à la soupe populaire ou à l'armée du salut, etc. Mais par contre, oui, si je devais m'arrêter demain et vivre que de mes royalties, non, il y aurait 2 jours qui seraient consacrés à ce genre de travail. Je ne reprendrai pas un travail payé, mais je prendrai un travail associatif, oui, c'est sûr, oui. Oui, au moins 2 ou 3 demi-journées par semaine à travailler pour les gens. Voilà. Parce que je n'aurais pas besoin d'argent en échange, donc gratuitement, oui. Mais ça serait le seul truc qui serait mon équilibre. Par contre, rester toute la journée à la maison, sédentaire, casanière, ne pas voir des gens, ne pas sortir, ne pas se mêler, ne pas discuter, ne pas humer, mais je me ferais chier comme un amant. Je pense que ça serait aller droit à la dépression de Bibi, quoi. Mais je sais pas faire ça, donc non, non, j'aime bien. Voilà, j'aime bien échanger, et ben, la preuve. Hein. Voilà, vous êtes parti pour 1 heure et demie, hein, donc. Prenez un café, hein, quand je continue. Ah, maintenant il est presque froid. Mais c'est pas grave, il est bon. 8, ah bah 8, j'ai. Ah non, c'est pas le même. 8, c'est quel sera ton prochain voyage? Je n'en sais rien. Je n'ai aucune prévision sur le prochain voyage. La prochaine voyage, si on peut appeler ça, c'est un déplacement pour moi, ce sera Paris pour la BNF parce que je dois accéder à un fonds. Et ça fait déjà un an et demi que je recule. Donc il va falloir vraiment que je me bouge aussi pour y aller. Mais bon, Paris, c'est pas un voyage, hein, c'est un déplacement. Prochain voyage, je sais pas. J'ai aucune prévision de voyage pour l'instant. Voilà. Bah, vraiment aucun. Alors, vraiment. Et puis en plus, bon, outre. Alors je dis pas Liverpool ou Dingle parce que c'est pas des voyages pour moi. C'est d'aller voir mes potes, d'aller voir des gens que j'aime.
Donc voyage, c'est découvrir quelque chose. Non, pour l'instant, là, actuellement, à part les 4 voyages que j'ai parlé tout à l'heure de mes rêves, il n'y a pas véritablement d'endroit où j'ai là tout de suite là envie d'aller. Voilà. Mais par contre, en France, il y a 2 endroits où j'aimerais aller. Mais c'est pas prévu, donc je peux pas répondre à la question. 9. As-tu préparé ta palle du Black November avec Trish? Ah bah si vous... Oui. Vous l'avez sûrement vu sur la chaîne, The Black November, de la loose et de la triche. Oh, j'ai triché à tous les étages. À tous les étages. J'y suis allée à la truelle, au forceps. Oh là 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 là. Ça a été grandiose. Ça a été un grand moment. Ouais, 10. Si je ne me trompe pas, tu disais avoir... Oh merde. Avoir scellé une année. Je savais qu'elle allait sortir ça là. Putain, j'aurais dû m'y préparer. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire comme connerie? Si je ne me trompe pas, tu disais avoir déjà scellé une année où tu arrêterais d'écrire des romans. Y a-t-il une raison particulière à ce choix? Alors, j'ai scellé une année fictive dans ma tête et 2030. Si et seulement si je finis d'écrire toutes les thématiques que je veux, sachant qu'il m'en manque 2, dont une où j'ai déjà l'histoire, les personnages, le titre, le déroulé, je sais exactement où je vais quand je vais et comment il finit, je sais par quoi passent mes personnages, etc. C'est celui qui clôturera véritablement, je crois. L'ensemble de mes romans. Parce que quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, il faut que j'écrive un roman par thématique que j'aime lire. J'ai pas dit toutes les thématiques qui existent en littérature, j'ai dit sur les thématiques que j'aime lire moi. Voilà. Il m'en manque quelques-uns, vous allez vous dire, ah, il en manque quelques-uns. Oui, mais j'ai déjà écrit celui de 2024, donc il sort en février, donc forcément il est écrit, je rappelle. Hein, voilà. Celui de 2025 est écrit. 2026 aussi. 2027, 2028, 2029. Donc si on va par là, 2030, ça serait celui que j'ai déjà dans ma tête. Mais il me manque 2 thématiques. Dont une qui me plaît beaucoup, 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 beaucoup. Et pour lequel j'ai une idée, mais il faut que je trouve le temps. Donc je pense que 2024 devrait voir... un projet que j'ai depuis longtemps de réédition de ma monographie, réactualisée, remis avec d'autres choses. Donc c'est pas voilà, c'est pas cette l'année prochaine que je vais l'écrire. Donc je pense, à moins qu'il me vienne une fulgurance d'ici la fin de l'année, ce qui n'est pas exclu, hein, vu la façon dont ça fonctionne là-haut. Hein, voilà, j'ai déjà le titre. C'est terrible, c'est affreux. Dès que j'ai le titre, c'est que ça s'enclenche là-haut, donc c'est horrible. Donc, si j'ai le temps entre Noël et le jour de l'an, au début janvier, je peux l'écrire et le mettre pour 2030. Sinon, bah, je le placerai. Mais oui, il y a de fortes chances qu'au début des années 30, j'arrête d'écrire un roman par an. Ce qui ne veut pas dire que de temps à autre, il n'en sortira pas après. J'ai pas dit ça. Mais un par an, je pense qu'à partir de 2030-2031, il se pourrait fort bien que ça ralentisse le rythme. Voilà. Ça ralentira pas ma façon d'écrire, ni le fait que j'écrirai, mais peut-être que comme ils seront sur les mêmes thématiques que j'ai déjà fait, et que j'estimerai qu'ils soient peut-être pas forcément au niveau de certains, je ne les sortirai pas pour le principe de les sortir. Je ne les sortirai que s'ils sont égaux ou supérieurs à ce que j'ai déjà écrit. Voilà. Mon intérêt, c'est pas de régresser, c'est de progresser. Voilà. Donc oui, la raison particulière de ce choix, c'est ça. Voilà. Après, je vous dis ça là, aujourd'hui, hein, en 2023. Quand j'arriverai à 2030... ou 2031, peut-être que si vous me reposez la question, je vais dire, ah oh, putain, j'ai encore 5 trucs derrière qui arrivent. Bon, écoutez, désolé, on repart pour 5 ans, hein, désolé pour vous, hein, les pauvres. Voilà, mais ceux qui me sont fidèles depuis des années, qui me lisent à chaque roman, alors c'est une question qui m'a été posée en dehors, mais je peux y répondre sur celle-là. On m'a dit,
Mais on voit pas passer tes romans sur les chaînes YouTube et tout. J'ai beaucoup de lecteurs qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Voilà. J'ai beaucoup de gens qui lisent, qui sont venus en salon ou en librairie ou en bibliothèque ou en médiathèque pour me rencontrer, et qui sont pas forcément des gens qui ont. Alors c'est pas des vieux, hein, ils ont passé en 3 ans, mais c'est des gens qui n'ont pas forcément les réseaux sociaux ou qui ont un Facebook privé ou qui ont voilà, un Facebook privé et qui distribue sur leur Facebook. Et donc, moi, ils me taguent parce que bah, je les connais, mais, ou qui m'envoient leurs trucs. Mais voilà, c'est des lecteurs lambda, des gens qui font partie des cercles de lecture, des gens de les sociétés savantes que je connais, etc. Ces gens-là ne sont pas sur les réseaux sociaux à publier toutes les 5 minutes. Et s'ils lisent. Ils lisent, voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça que honnêtement, je suis. Ça ne me gêne absolument pas. 11. Avant Hux, oh chouchou, il est là avec ce carton quasi dormi, hein, bien sûr, il a toujours tout le même carton. Il doit avoir des bestioles dedans, je dois vous le raconter. Ah merde! Il a mis le mulot dans le carton. Putain, ce mulot, je vous jure. Bon bref. En plus, il pue l'herbe à chasse. Bref, merci dans la chantal. Ça sent la canne de la vache. Je pense que ça doit être de la dos. Si un jour il y a une descente de police, ils vont dire: Ah, vous avez... Non, c'est de l'herbe à chat. C'est de l'herbe à chouchou. Donc, avant Hux, as-tu un chat ou un autre animal de compagnie? Oui, bien sûr. On est large de Noé à la maison, nous. Ah, vous n'avez pas connu ma maman. Brigitte Bardot 2. Hein? Brigitte Bardot 2. Ah, Jeanne, elle aurait eu la carrosserie quand même hein, de Bardot. Mais elle était mignonne. Ah oui, non, on est des maboules d'animaux dans la famille. On les mange, mais on les garde aussi. Putain, je me perds lâcher avec cette histoire. Avant Hux, est-ce que j'ai eu un chat? Oui, j'en ai eu plusieurs. Des animaux de compagnie, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un chien. Mon premier animal, c'était un chien. Il s'appelait Dagobert. Pas pour le roi, pour le chien de Club des 5. Quoique, en fait, en vérité, mon père avait choisi Dagobert et je pense, je subodore que c'était plus pour le roi que pour le chien. Connaissant ma poune, sa propension à aimer les Carolingiens, les Mélovingiens et toutes ces merdes, il y a forte chance que Dagobert c'était pour le roi. Voilà, mais oui, c'est un chien, c'est un berger allemand, mais bon, berger allemand. Des parents qui travaillent, qui rentrent très tard, une petite fille, c'était un peu compliqué. Dans un appartement, sans jardin, très compliqué. Donc en fait, il a atterri chez des amis à mes parents. Il a vécu sa meilleure vie avec un super grand jardin, machin. Et moi, j'y allais tous les week-ends pour aller le voir. Voilà, donc il se rappelait de moi, il me courait partout. Voilà, donc oui. Un chien. Après, j'ai eu des poissons, des canaris, des tortues d'eau, des tortues de terre. Si j'avais pu élever une tarentule, j'aurais fait. Et après, on a eu des chats. On a eu un chat qui s'appelait Bijou, tout blanc, qui était un angora, pure souche, hein, la bête, mais complètement barjot. Ah, mais à l'ouest! Mais un fou furieux! Il nous a attaqué, enfin, il nous a attaqué pour rien. Un jour, il a attaqué ma mère elle sortait des toilettes, je sais pas quoi. Il lui a lacéré les bras. Elle a eu, je sais pas, trop une dizaine de points. Enfin, un fou furieux. Un maboule, ce chat. Mais beau, hein? Beau comme un cœur. Enfin, c'est un truc de concours, hein? Mais un gros con, quoi. Mais on l'a gardé 10 ans, je crois. Mais maboule! Il n'y avait que quand il allait chez ma grand-mère, il avait peur de ma grand-mère, il bougeait pas. Le chat, garde à vous le chat. Mais à moi, les chats à moi, hein, c'est la question, c'est à moi. Alors lui, il était à moi dans la théorie. J'étais petite, hein, mais il était à moi. Ensuite, j'ai eu un abyssin qui s'appelait Liverpool. Vous savez bien où je l'ai trouvé donc. J'ai eu Arthur Rimbaud, une fille, une femelle. Oui, ben écoutez, hein, quand on me l'a donné, on a dit que c'était un mâle. Hein. Donc moi, quand je suis arrivée chez le veto, on m'a dit, ah, oh, c'est une femelle. J'ai dit, ben c'est con, il s'appelle Arthur Rimbaud. Toute relation. Étant... Voilà. Arthur était un British Shorthair. Voilà. Liverpool, un Abyssin.
Et donc chouchou est un Bombay. Je vais dans les trucs exotiques. Voilà. Mais à part le premier qui était un maboule en plat, les trois là, c'était trois amours. Voilà, c'est trois chats sublimissimes. Des chats qu'on peut transporter, qui voyagent bien, qui sont cool, qui s'adaptent partout, qui sont pas chiants. Si chouchou est chiant, mais non, qui sont pas chiants, qui sont gentils, qui mangent de tout, qui vous emmerdent pas sur le truc des croquettes. Enfin, chouchou aime pas les croquettes casino. Voilà, mais voilà, qui sont vraiment des amours de chats. Des amours de chats. C'est le seul Hux qui n'est pas câlin. Tous les autres étaient des câlins, des pots de colle. Hux n'est pas câlin. De bébé, il n'a jamais été câlin. Il dort avec vous, il peut dormir contre moi, il peut se coller contre moi, mais il ne supporte pas d'être sur les genoux, il ne supporte pas qu'on le tripouille. Tu vois, on dure un peu maman, hein, voilà, c'est bien le chat, ça me marre, hein. Voilà. 12, on va y arriver, Bubu, hein, on va y arriver. As-tu déjà rencontré des personnes de BookTube ou autres réseaux en réel? Est-ce que je... Alors, BookTube, non. Ou alors, est-ce que j'ai rencontré des... Est-ce que les indés comptent? Enfin, je veux dire, le groupe des indés. Bah, ils n'ont pas de BookTube, donc non. Vraiment des booktubeurs, non. Enfin, pas à ma connaissance. Putain, si je vous ai croisé, j'ai oublié, tapez-moi. Autre réseau, oui. Mais pas des booktubeurs. Non, non, des gens d'autres réseaux, des blogueurs surtout. Des blogueuses et des blogueurs, oui, ça j'avais rencontré des gens de lifestyle, bah, parce que déjà je travaillais pour eux des fois, pour les articles. Que ce soit ciné, musique, machin. Mais de BookTube, non. Mais j'ai rencontré des gens qui tenaient des blogs. Oui, j'en ai rencontré. Voilà. Donc ça, c'était Bubu. On est bon. On va arriver à 1h30. Hein. Alors, avant-dernière question. Oh, on va y arriver. Question de Adeline de Bougie Bookish, donc sur Instagram. As-tu un rituel de lecture quotidien? Alors, je vous lis textuellement ce qu'elle a écrit. Hein. As-tu un rituel de lecture quotidien? Tu fais tellement de choses que je t'admire. Alors déjà, prenons hâte de faire ça, sinon tu vas me faire pleurer, hein? D'accord? Merci, c'est gentil, j'apprécie beaucoup, mais ouh, ça émue tout mon petit cœur. Même la citrouille, elle a tremblé sur l'émotion. As-tu un rituel de lecture quotidien? Non. Alors non, parce que j'admire. Je vous jure, j'admire les gens que je vois quelquefois. Qui montrent leur rituel. Alors, le matin, je me lève, je me fais ma tasse de café ou de thé ou de chocolat, ce que baloeuf. Je mets mon plaid là, je m'assois sur mon fauteuil qui est dédié à la lecture au milieu de la bibliothèque ou sur mon pouf ou machin. Tout. Je lis une demi-heure, je me pose, je fais ça, je regarde. Non, 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 non. Alors, moi, je me lève, je suis en freestyle. C'est-à-dire, je me lève, j'ai envie de lire, je lis, j'ai pas envie de lire, je lis pas. J'ai envie d'être allongé, je lis les pieds en l'air, je lis les pieds en l'air, j'ai envie de lire sur le balcon, je lis sur le balcon. J'ai pas envie de lire, j'en ai rien à carrer, je lis pas. J'ai aucun rituel de lecture. Voilà, je peux lire dans le bus, je peux lire dans les transports en commun, je peux lire dans le train, dans l'avion, je peux lire dans une chambre, je peux lire. Le seul truc que je peux pas lire, c'est allongé. Sauf si j'ai les pieds en l'air parce que je gigote les pieds. Voilà, je fais ouh, et les papates. Ça fait des abdos. Enfin, ça fait. T'as bougé pas. Non, ça fait rien du tout. Mais ça fait du bien aux jambes de mettre les pattes en l'air. Surtout quand il fait chaud l'été. J'ai pas de. Non, allongé, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça fait beaucoup rire la dernière fois quand je l'ai dit, en live en plus. Mais bon, je peux le redire. Moi, allongé, il y a deux choses que je fais. Je dors. C'est tout ce que je sais faire, allongé. Voilà, alors, me posez pas la question, je sais pas lire allongé. Je sais pas comment font les gens qui sont allongés dans leur lit, qui disent moi je dors. Ou alors, c'est parce qu'il y a un Melman à côté. Et donc, j'ai autre chose à foutre que de lire. Non, j'ai pas de rituel de lecture. Je suis vraiment désolée. Hein. Bah non, non. J'ai pas un rituel où je vais me mettre le thé, où je vais m'asseoir, où je vais me mettre dans une position, où je vais sortir ça. Ou non, non j'ai pas. Non, je peux même lire debout en écoutant du classique. Je me mets debout, je lis, je marche. Non, non, non. Alors là, aucun. Je suis désolée, Adeline, hein, mais.
Voilà. Bon, voilà, elle m'admire beaucoup moi maintenant. Et dernière question qui m'est arrivée en dernier. Donc, alors sur le fil du rasoir, j'allais clôturer le truc. Donc, Laurine 2. En fait, elle est pas du tout sur. Elle me suit sur BookTube. Elle a pas de compte BookTube. Elle a pas de compte Instagram. Elle, c'est quelqu'un de Facebook. Une lectrice ordinaire, on va dire, qui n'est pas sur les réseaux sociaux, qui a un Facebook privé. Donc, on échange par Messenger. Donc, ça, c'est arrivé par Messenger. C'est une lectrice qui me suit depuis quand même. C'est quelqu'un qui me suit, je crois, depuis. Elle va me dire si j'ai dit une connerie, tu me diras. Oui, on se tutoie depuis le temps quand même. Je crois que la première fois qu'elle m'a lu, c'était sur Noble Semaine en famille en 2015. Ouais, ça fait un moment quand même, hein, ça fait presque 10 ans. Voilà. Donc elle m'a dit. Tu ne fais que peu de publicité ou de promo pour tes activités. Est-ce parce que tu ne veux pas ou par modestie? J'abuse, j'en pose une deuxième. J'ai l'impression que tu sais exactement qui tu es et ce que tu vaux. Est-ce que je me trompe? Rien dit, Laurine. Alors, première question pour la promo, désactiver ce que tu veux, ne veux pas ou par modestie, les deux. Je viens d'une famille où on m'a inculqué. Alors, c'est peut-être la fausse modestie, j'en sais rien. Non, c'est la modestie, même pas. On m'a toujours inculqué de ne pas exposer, dans le sens ne pas en me jeter la poudre aux autres. Enfin, on m'a un style, vous savez, vous en jetez aux autres comme si c'était des manants. Tiens, un manant. Voilà. Et donc, j'ai jamais aimé être exposée ou surexposée. Je déteste ça. Mais quand on est artiste, quel que soit l'artiste, on est obligé à un moment de s'exposer. Simplement, la différence, c'est que l'artiste peut s'effacer derrière son travail. Et ça, c'est une très bonne idée. Voilà. C'est pas parce que je ne veux pas faire de la promo, c'est que j'estime que c'est pas moi qui dois être devant. C'est mes bouquins, c'est ce que je produis, c'est mes créations à moi. Donc, je fais pas de publicité parce que je déteste les marchands de tapis. Moi, ça m'exaspère. Là, on va arriver dans la période de Noël où tous les auteurs, que ce soit édité, publié, auto-édité, machin, vont nous inonder de publicité, de leurs bouquins. Lisez ça pour Noël, c'est une super truc pour Noël. Oh là là, vous avez ça. Oh, ça me gave. Donc, c'est la seule période où moi, alors perso, vous verrez pas de trucs. Et j'ai pas. Et promo. La promo, en fait, et la publicité, c'est les lecteurs qui doivent la faire, c'est pas moi. Moi, je lance le truc. Je lance toujours. Avant de sortir un roman, j'envoie un communiqué de presse. Je le dis même aux gens là qui regardaient. Si vous voulez le communiqué de presse, vous abonnez à ma newsletter et vous recevrez le communiqué de presse quand il sortira. Alors je l'envoie aux librairies qui me suivent, aux médiathèques qui m'achètent des trucs, à la liste des lecteurs qui m'ont donné au fil du temps leur mail pour me dire tenez-nous au courant de vos publications, les achètes, etc. Donc à ces gens-là. À des professionnels, il y a quelques journalistes ou radio à qui j'envoie. Alors, ils font un papier ou ils font pas de papier, ça c'est leur problème, mais voilà, ils le savent. Mais j'estime que c'est le bouche à oreille, c'est les lecteurs qui doivent faire la promotion et la publicité dans le livre, c'est pas l'auteur, une fois qu'il l'a lancé, ça c'est pas mon boulot. Il y a du travail. C'est pour ça que je dis que l'un des métiers essentiels qui est très mal foutu actuellement, c'est l'agent littéraire pour auto-éditer. Mais quand je parle d'agent littéraire, c'est quelqu'un qui va s'occuper d'aller vanter le truc au libraire, aux médiathèques, qui va faire l'acheminement, enfin qui va se débrouiller pour à revoir du stock, etc. Moi, je vois des copines qui le font en tant qu'auto-édité, qui partent avec des valises de trucs, etc. Personnellement, c'est une partie du job qui me gave. Je suis très peu commerciale, je ne sais pas me vendre. Alors là, d'entrée de jeu, ça vous le savez, je vous le dis, je ne sais pas me vendre. Je suis la pire vendeuse de moi-même.
Voilà. Et donc, je me suis toujours dit, il faudrait qu'un jour, il y ait quelqu'un qui connaisse très bien mon travail et qui sache très bien ce qu'est un agent littéraire et quelqu'un qui diffuse et qui vante, et une attachée de presse. Et ça, oui. Voilà. S'il y a demain une attachée de presse qui veut s'essayer avec moi, oui. Voilà. Mais sinon, non. Voilà. Après, c'est pareil. C'est une question de moyens aussi. Il faut savoir, quand vous êtes ODDT, vous payez tout. Donc, l'argent, si vous n'avez pas peu gagné, bon, par exemple, l'histoire de l'année dernière, le roman que j'ai publié cette année, Monte vers l'idéal, sur Louis Gendreau, enfin, qui est donc les mémoires de Louis Gendreau que j'ai, voilà, que j'ai écrit. C'est un livre qui m'a rien rapporté cette année, mais quand je dis rien, c'est pratiquement rien du tout. Donc très 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 peu. Et donc c'est pas sur ça que je compte pour republier celui de l'année prochaine. Et donc, et forcément, si demain il y a quelqu'un qui vient me dire oui, mais moi je veux bien te représenter, mais je prends tant par mois ou tant par an, je vais dire oui, non mais chatounette, oui, mais je travaille pas à perte non plus. Donc si ça rentre pas, alors après il faudrait que la personne fasse ses preuves, et si elle me fait rentrer suffisamment, je peux la payer après. Voilà, après le travail fait, mais avant, non. Voilà. Donc bon, c'est, après c'est une équipe. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je fais pas de promo et d'activité et de publicité, c'est ça aussi. Et c'est aussi parce que c'est mon travail qui prime, et c'est pas ma tronche que je veux voir en priorité. Donc je n'ai pas d'ego, j'en ai rien à carrer qu'on voit ma tête, que j'ai des partenariats, que j'ai de la publicité, des sponsors, des machins. C'est pas mon truc. Enfin, je suis pas attirée par ça. Fric facile, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux créer. Moi, mon but, c'est de créer, même si demain je ne publie plus rien, je continuerai à écrire mes romans, je continuerai à créer des trucs, parce que c'est créer qui me nourrit. Voilà, c'est pas le reste, non, c'est pas ça. Et donc, deuxième question, qui est un peu plus chiante. Non, enfin, non, mais ça va être facile, enfin, je suis pas sûre. Je sais pas comment ça va être pris quand je vais le dire. Laurine dit, j'ai l'impression, c'est elle qui l'a dit, hein. J'ai l'impression que tu sais exactement qui tu es et ce que tu vaux, est-ce que je me trompe? Non. Bah, c'est alors là. Il y en a certains qui vont dire ouais, ben ça va, elle est pas modeste. Bah non, je sais ce que je vaux et je sais ce que je suis. Voilà, et je le sais depuis longtemps. Voilà, j'ai eu la chance de savoir assez vite ce que je valais, et au niveau de création. Après, vous allez me dire, c'est peut-être de la chance d'avoir eu, je sais pas, des dons, mais d'avoir eu des facilités. Pour certaines activités, j'ai fait je dessine, j'ai fait de la photo, je fais très bien de la photo. Je vois les photos avant de les prendre, donc c'est beaucoup plus facile pour moi, et généralement quand je fais une photo, je sais ce que je veux. Pareil pour les romans, c'est pour ça que je n'ai pas d'alpha et bêta lecteur. C'est parce que je n'ai pas besoin qu'on me dise, tiens, il faudrait peut-être que tu développes ce personnage. C'est pas de fausse modestie, c'est que je sais. C'est intégré à la bête. Vous savez, c'est comme quand vous achetez un ordinateur, on vous a mis le logiciel, moi on me l'a collé. Alors, pas ma faute, hein. Voilà. Oui, non, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Je sais ce que je sais ce que je peux faire, jusqu'où je peux faire. Ce que je suis capable de faire encore et de produire encore. Mais par contre, j'ai le revers de la médaille. Je sais très bien ce que je ne sais pas faire, ce que je ne peux pas faire et ce que je ne ferai pas. Voilà. Et ça, c'est une grande chance aussi. Voilà. Parce que je ne suis pas influençable. Voilà. Je n'ai pas. Si demain, vous voyez, la mode des feel-good, des romances, des machins, des trucs comme ça, c'est pas passé par moi. Parce que je ne suis pas influençable. Je ne fais pas dans l'air du temps. Si demain je sors un roman, tant le roman, et très souvent, il est à. Ou il anticipe la mode, ça c'est très souvent. Soit je vais aller à contre-courant, c'est-à-dire je vais laisser passer 2-3 ans, ce qui va se passer pour un des romans, celui de 2029. Je vais laisser passer 4-5 ans pour le sortir alors que je l'ai écrit, qu'il est
pile là, je le sortirais maintenant, il ferait tout le monde dirait ah génial et tout. Ben ouais, mais non, ça m'intéresse pas. C'est parce que j'ai une progression, je sais ce que je vais produire derrière, je sais comment le faire. Alors ça m'est reproché, hein. Il y a des gens qui que je connais et qui m'ont dit ouais, mais de toute façon, c'est important les bêta lecteurs, les alpha lecteurs. Non, j'en ai pas besoin. C'est comme pour les corrections, je prends une correction simple. C'est-à-dire grammaire, syntaxe, machin. Je n'ai pas besoin que la correctrice me dise tu devrais développer tel personnage, tu devrais peut-être faire ça. Ah, alors oui, alors moi je verrais bien. Non, j'ai pas besoin qu'on influence mon travail. Je sais. Et quand je finis mon roman, c'est pas de la fausse modestie. Hein. Vous allez me dire, oh là là, celle-là, elle se prend pour ce qu'elle n'est pas. Bah celle-là, elle a sorti des romans et celle-là, elle a des bons retours. Et celle-là, elle n'a pas eu besoin d'avoir des bêta lecteurs ou des alpha lecteurs qui lui mâchent le travail et qui lui disent ouais, mais alors peut-être que si tu mets tel sentiment et tout. Moi, j'en vois hein, de mes collègues qui donnent leur premier jet. Alors, vous savez que mon premier jet, c'est le dernier, donc comme ça, on les a. Enfin, qui donnent leur premier jet à des alpha ou des bêta lecteurs. Et qui se retrouve avec plein de trucs. Alors ça, moi, je le ferai, je le ferai pas ça. Ça, ce paragraphe, je le mettrai pas, qu'il le barre, etc. Et qu'il prenne en compte ça. Mais bah, si vous voulez écrire un roman, vous l'écrivez, les mecs. Hein. Voilà. Personne ne touche mon texte. Voilà. Mais alors peut-être qu'il est nul à chier, mais c'est mon texte. Voilà. Si en fait, si j'échoue, c'est moi qui ai échoué. Voilà. Si c'est moi, si je me suis fourvoyer sur quelque chose, c'est moi qui me suis fourvoyé pour quelque chose. Mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit impacté par une connerie ou par quelque chose que j'aurais dit dans un texte ou par un roman qui pourrait être mal interprété. C'est mon travail, c'est moi qui assure derrière, c'est moi qui vais répondre aux questions. Et je refuse de me mettre derrière quelqu'un. Derrière le dieu de dire non, mais vous savez, c'est les bêta lecteurs, ils m'ont dit non, 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 non. Voilà. Alors, par contre, j'ai un trio qui lit mes romans une fois ils sont ficelés. Voilà. Mon trio, donc il y a deux C et un J, trois filles qui lisent tous mes romans. Mais une fois qu'il est terminé, le premier G, dernier G, enfin, elles lisent la version finale. Alors, il y en a deux. Maintenant, on s'est mis d'accord. Il y en a deux qui lisent la version épreuve non corrigée avec la correctrice juste pour l'histoire. Non, la troisième aussi. Elle va lire aussi. Mais elle fera une deuxième lecture derrière la correctrice parce qu'elle, c'est l'œil de lynx. Elle voit un truc au fin fond du machin à droite. Elle le voit. Qui lira le texte final corrigé. Donc bah, là, par exemple, le roman qui sort là, elle m'a encore trouvé 15 trucs qui n'avaient pas été vus par la correctrice. Voilà. Donc des choses que, bah, vous savez, à force de voir, revoir, revoir votre texte, vous ne voyez plus. Donc ça, les correctrices, c'est pour ça qu'il y a des gens extérieurs qui corrigent vos romans, parce que sinon, à force de corriger, corriger, corriger. Sachant que moi, en plus, si j'écris à la main, je tape au kilomètre comme ça, sans regarder. Alors les fautes, alors entre les fautes, les machins, les trucs, le correcteur automatique, cette espèce de connard qui vous met un truc qu'il faut pas, etc. Bon, voilà. Donc, je le relis après, mais des fois, je leur ai envoyé. Ça est arrivé il n'y a pas longtemps, celui de 2026. Je l'ai envoyé sans l'avoir relu. Alors après, quand moi je l'ai relu, j'ai auto-ventilé parce qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Donc j'ai corrigé. Des trucs, des mots qui avaient été oubliés, des trucs inversés, des conjugaisons, des machins que j'ai. Voilà, en tapant, je vais allez, vas-y, bah moi, c'est tout. Mais c'est mes lectrices de fin, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais, aucune d'entre elles, elles m'ont posé des questions en me disant pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as écrit ça, et pourquoi tu as dit, oh non, mais pourquoi tu as dit ça et tout. Mais elles m'ont jamais dit, ah oh non, mais ça, tu devrais pas le mettre, ou ah, oh, tu devrais faire ça. Voilà. Par contre, me dire, je veux une suite de ce roman, ça, elles se sont pas privées. Hein. Voilà. C'est leur faute, celui de 2026, c'est leur faute. Voilà. C'est la faute de J, 2026. C'est ta faute à toi. Voilà. Si c'est une merde, c'est ta faute, c'est toi qui me l'as demandé. Voilà, mais. Ah oui, celui de 2025 aussi, c'est la faute de meilleur ami, ça. C'est la faute. Voilà, c'est toujours la faute de quelqu'un. Non, mais je plaisante. Mais voilà, si j'échoue, si le roman passe pas, s'il y a quelque chose que vous comprenez pas, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, si je heurte quelqu'un, c'est moi qui défendrai. Voilà. Et donc, oui, je sais ce que qui je suis et ce que je veux, oui.
J'ai pas tous les talents, mais je sais qu'il y a des choses que je sais faire. Je sais très bien coudre, je sais bien cuisiner. Je suis nulle comme pâtissière. Je suis une daube en pâtisserie. Alors là, au niveau zéro, moi je suis à moins 46. Hein. Voilà, mais il y a des choses que je sais faire. Mais c'est tout. C'est comme ça. Je vous dis, on m'a mis un logiciel, je sais faire des trucs, mais je sais ce que je ne sais pas faire aussi, surtout. Donc je suis à même de savoir, si par exemple vous me demandez faire ça. Je suis à même de vous dire d'entrée de jeu, je ne sais pas faire, je ne peux pas faire ça. Par contre, si vous me dites, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, je travaillais sur des sites communautaires, il y avait les rédactrices en chef ou les comités de rédaction qui disaient, voilà, bon, à l'époque, il n'y avait pas les Zooms et machin, donc ils envoyaient des listings en disant, est-ce que tu te sens de faire un article sur tel sujet? Voilà, et c'était à vous de prendre ou de ne pas prendre. Et il y en avait certaines, ah oui, je vais. Ah oui, je le prends. Et puis deux semaines après, vous aviez la rédactrice en chef, puis tu veux pas en faire le papier parce que l'autre, ça fait 15 jours, elle m'a pondu une merde, est-ce que tu te sens capable? Voilà, et moi, je répondais du tac au tac, non, ça, non, je le fais pas. Par contre, il y avait des choses où d'entrée de jeu, je répondais dans la seconde qui suit, je prends. Et je savais que je pouvais faire. Voilà. Mais c'est comme ça. Que vous voulez-vous que je vous dise? Je sais pas faire autrement. Bon, ah bah écoutez, c'était la dernière question qu'ils sont contents. Ils se sont pris 1h20 dans la tête de Lisa, ils en peuvent plus, ils sont à la limite de la mort. Là, ils sont allés prendre deux, trois cafés, machin, d'ailleurs. Ils se bavent! Bravo! Voilà, donc ça c'était le FAQ. La prochaine FAQ sera après la sortie du roman, je pense en février. Je pense, j'essayerai d'en faire une tous les deux mois et demi, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions. Je sais que j'ai répondu à beaucoup de questions, mais quelquefois il y a des romans, juste après le roman, il y a des questions, il y a des machins, etc. N'hésitez pas, sur l'auto-édition, j'ai fait des trucs, mais j'avais fait un podcast sur mon expérience dans l'auto-édition, dans l'édition depuis 20 ans et tout. Donc voilà, mais j'aime bien faire je trouve que c'est rigolo, ces formats, c'est marrant. Voilà. Après, il y a des questions qui sont très rigolotes. Voilà, ça c'est fait. Bah écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Prochaine vidéo, les couples mythiques dans la littérature selon Lisa. Enfin, mes couples mythiques à moi. N'allez pas vous affoler, hein. Voilà. Prenez un mouchoir, ça va couiner dans la chaumière. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y aura le programme culturel. Je ne me rappelle pas ce qu'il y a au programme culturel, mais il y a déjà trois séries, alors deux, une qui est vraiment exceptionnelle, deux qui sont pas mal, mais pour l'instant j'ai pas eu. Oui, il y aura un documentaire absolument génial qu'ils ont remis de films que j'avais vus, de documentaires déjà qui datent des années 70 que j'ai adoré sur le Chili. Et il y aura, il y aura mon bouquin, enfin la couverture de mon bouquin forcément, puis il y aura du dessin, je crois, enfin, bref, je suppose. Et donc ensuite, bah, il y aura le point lecture de novembre, la loose. Et la pile à lire de décembre, forcément. Et il y aura les Vlogmas après. Voilà. En décembre, il n'y aura que des Vlogmas, donc il n'y aura pas de point, il n'y aura pas de programme culturel. Il y en aura un de programme culturel, mais ce sera un espèce de bilan de l'année. Du programme culturel de l'année. Mais dans les Vlogmas, j'essayerai, contrairement à l'année dernière, de vous faire des points sur les livres pour pouvoir qu'à chaque Vlogmas, vous ayez un livre ou deux de chroniquer ou un livre de chroniquer. Et du coup, je ne fais pas de point lecture à la fin du mois de décembre puisque vous aurez les Vlogmas complet, sauf si vous me dites ah non, fais ton point lecture à la fin plutôt, machin, en nous disant juste que tu le lis, mais on préfère un vrai point lecture à la fin. Voilà, vous choisirez sous les Vlogmas, vous vous débrouillerez. Et General Hux et Adolphe sur les Vlogmas, dès que je sors la petite caméra, ils se cassent. Terrible, hein? Non, parce que je voudrais faire une intro rigolote avec Hux, mais j'arrive pas avec lui. Il veut pas, dès que je sors la caméra, il est là. Ah non, 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 voyez mon agent, madame, hein. Vous avez pas du tout demandé à mon agent, bien je vais te payer pour ce truc. Ah bah lui, je veux dire. Hein, chouchou? Oh la mignon. Pas content, le chouchou. Allez, ciao, trêve de plaisanterie, bisous, bisous, à la semaine prochaine. Ciao, soyez sages. C'est novembre, enfin.
Je suis toujours en t-shirt, mais j'ai recyclé mes t-shirts d'été pour les t-shirts de la maison. Sachant qu'on n'a toujours pas le chauffage, mais bon, là ça va, il fait. Combien il fait? Un petit 19 quand même, hein? C'est mignon. Voilà, mais ça va, ce 19 c'est correct. Puis derrière, j'ai une étoile. Eh bah, ben, vieille la bête, hein? Qu'est-ce que vous croyez-vous? Ciao!